Voilà, nous sommes revenus après avoir accompagné nos invités précédents. Nous allons recevoir ensemble David Dardol, qui est un monsieur qui, on peut l'appeler multicorde, hein, multifonction, parce que c'est un couteau suisse, il a tout fait. C'est un monsieur qui a tout fait, mais regardez comment il est frais, il est jeune. Quand je dis ça, vous penserez que nous parlons d'un papy, non, regardez, la gonflette et tout. Hein, il fait vraiment tout. Il vient aujourd'hui dans cette émission, comme je disais, une émission en particulier consacré aux femmes et au monde des femmes, mais nous ouvrons une fenêtre vers ces hommes qui font des choses. Alors, David Dardol vient pour nous parler d'un livre, Der Ambassador. Exactement. Est-ce que l'accent est bon ? Impatient. Der Ambassador, qui est là, ce livre-là, qu'il a écrit en allemand. Absolument. Et qu'il a traduit en français. Vous allez bien, David ? Moi, je vais très bien, ouais. Alors, David n'est pas seul, il a emmené un jeune lecteur à ses côtés. Et on peut dire ce qu'il sait ? Oui, c'est un fan de première heure. De première heure. Qui est mon fils. C'est S. David Junior. Voilà. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'il y a le S. David, c'est le pseudo. Mais il va falloir me dire ce que c'est que ce S, parce que moi, le S en particulier me rappelle que des choses, genre, pas les bonnes choses. Quand on entend S, on entend les serpents. Je vais m'arrêter là, sinon la liste sera longue. Non, S. David, tout simplement, tout le monde connaît Akio. Oui. Mais personne ne sait qui ils sont. Non. Donc, c'est une question qu'on se pose. Oui. Alors, S. David, c'est exactement, tout le monde connaît effectivement David Dardol, mais David. Pas S. David. Mais justement, il ne connaît n'est-ce pas S. David. On ne sait pas qui c'est, en fait. Eh bien, il est là, et c'est un pseudonyme qu'il a. Et qu'est-ce que tu as dit, c'est un ? C'est un joli jeu de mots. Un joli jeu de mots. Voilà, S. David, on se pose la question. S. David, exactement. Est-ce lui ? Est-ce bien lui ? Absolument. Alors, Der Ambassador, qui était un livre, s'il avait été en allemand, je n'aurais pas pu le lire, mais ce livre-là commence quand même par une histoire magnifique. Dans ce roman, qu'il a écrit en allemand et traduit en français, S. David nous propose à lire l'histoire émouvante de jeune noir, Djemal. Absolument. Qui part de son village et qui va conquérir le monde. Une série d'aventures romantiques, un long périple à travers le monde, une soif de vie. Et Djemal devient ambassadeur. Il s'agit d'une histoire fort intéressante, à plus d'un titre, comme vous aurez l'occasion de le découvrir en lisant ce livre, que je vous conseille d'ailleurs. Et puis Djemal, c'est peut-être un parent, un ami, un collègue ou vous-même. Alors, tout le monde peut être ce Djemal. Exactement. Hein, mais tu as parfaitement résumé tout le livre. Il suffit maintenant que de le lire. De le lire, il faut le lire. Effectivement, je pourrais quand même dire que ce livre, je l'ai effectivement écrit en allemand, en 79 jours. Eh bien, dis donc. À Berlin. Ça aurait pu s'appeler 79 jours. Absolument. À Berlin. Et je l'ai traduit en français pendant justement le confinement, en Guadeloupe. Et ce livre a été édité en Angleterre, à Londres. Donc c'était un étranger en fait, allemand, anglais. Mais nous l'accueillons avec plaisir quand même. Parce qu'il fallait le faire. Est-ce que... Non, je ne vais pas vous demander de me faire un exercice en allemand, de me dire un truc. Non, ça fera trop de tests. Et pourtant, j'ai tellement envie d'entendre son accent en allemand. Demande-lui, toi, je ne sais pas. Peut-être que si tu le demandes, il dira oui. Est-ce que tu pourrais nous dire une belle phrase en allemand, peut-être ? Oh, la si ce n'est sehr gute Tag heute, und wir werden ein Buch kennenlernen. Oh là là. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un très bon jour aujourd'hui et nous allons faire connaissance avec un livre. On dit The Book Eyes Der Ambassador. D'accord, mais der, c'est pas sûr, en fait. On dit The Book Der Ambassador. Non, pas là. Der, c'est le singulier, c'est deux. C'est allemand, et ambassadeur, bon, c'est français. Mais ça, c'est plus pareil, en fait. C'est la même écriture. Non. Der, c'est allemand. Oui, mais et ambassadeur, c'est français. Ah, d'accord. Parce qu'en allemand, c'est Botschaft. Botschaft, ah, ok. Ouais. Volontairement que voilà. de l'ambassadeur. Voilà, alors, pourquoi ce livre? Et qu'est-ce qu'a fait Tilt pour pouvoir sortir ce livre-là?
faire connaître cette histoire-là, puisque c'est un roman en fait. Oui, en fait, c'est un roman qui a été pour moi pratiquement un sacerdoce. Mm-hmm. Parce que c'était à une époque où il y avait énormément de tensions et énormément de vibrations. Donc je me suis dit que je me trouve en Allemagne, il faut absolument que je fasse quelque chose qui soit à la postérité, qui, quand je quitterai le pays, mm-hmm. au moins il y aura quelque chose de concret. Mm-hmm. Et c'est un livre que j'ai écrit en écrivant du lundi au dimanche, une page à une page et demie par jour, mm-hmm. tous les jours, jusqu'à ce que ça soit terminé, mm-hmm. après 79 jours. Et ça raconte effectivement les aventures, les péripéties de ce Djemal mm-hmm. qui part de sa ville natale, de son village, comme on dit, et qui va traverser énormément de choses, des périples, pour conquérir plus ou moins le monde, puisqu'il fait pratiquement le tour du monde hein, mm-hmm. dans ce livre. Et à la fin, il devient ambassadeur. Ambassadeur, pourquoi ambassadeur ? Parce qu'il a été sélectionné dans une unité que je dirais avant-gardiste, pour pouvoir justement gérer certains conflits, certaines choses qui sont un peu trop flagrantes dans le monde actuel. Donc, en tout cas, nous, on ne pourra que le conseiller. Maintenant, on va parler un petit peu de David, parce que David, comme je dis tout à l'heure, pour savoir un peu, voir comment il a évolué. Il a évolué, mais... Et puis on s'attendait à cette finalité aussi, hein, commencer dans l'audiovisuel, mm-hmm. et puis même beaucoup dans l'audiovisuel. Absolument. Scénariste, parce qu'il a pris son temps aussi pour écrire autre chose, il a écrit mm-hmm. tout un film complet. Ce n'est pas un court-métrage qu'il a écrit, c'est un film. C'est un film, justement, ça s'appelle Rumka. Voilà, c'est Rumka, un mélange de rhum et de boca. ça s'entend comme ça, voilà. Mais c'est vraiment un film pour les jeunes, mm-hmm. où on voit effectivement le combat que doit mener cette jeunesse ouais. qui est si trépidante et qui a besoin justement d'extériorisation mmh. et il se veut conquérir le titre en art martial ouais. qui a lieu tous les années et il lui arrive bien sûr pas mal de problèmes avec le tenant du titre ouais. précédent mmh. qui veut conserver son titre mmh. mais en même temps à des yeux des vues ouais. sur la copine justement de ce jeune qui ne demande que de réussir et de vivre sa vie. De vivre sa vie et avec là... la copine. Donc, ce scénario, si demain vous aviez la possibilité de le sortir, de travailler cela en film, mm-hmm. est-ce que vous avez déjà une idée de comment vous allez faire cela, avec qui Effectivement, il y a déjà. Je veux. Je veux. Faut aussi, il faut lever la main, sinon. Non, on est dedans aussi. Non, je plaisante, je ne suis pas actrice. Donc. Non, disons, le casting, il est écrit, mais il n'est pas encore déterminé. Donc, ce serait aussi la possibilité de tout un chacun de pouvoir y aller. Je pose la question. Est-ce qu'on prendra des débutants dans le casting ? Bien sûr. Pourquoi pas ? Bien sûr, parce que ce casting se veut hétéroclite, mm-hmm. de façon à ce qu'il y ait toutes les tranches de la population représentées, mm-hmm. des grands-mères, des grands-pères, des jeunes, des vieux, des cousins, des cousines. Parce que c'est dans le personnage, c'est dans le scénario. C'est dans le scénario. Donc tout chacun a ses chances de pouvoir participer et de montrer son savoir-faire, mm-hmm. son savoir-vivre et aussi les possibilités cachées qu'on mm-hmm. ignore pour pouvoir faire quelque chose d'assez intéressant. Mais on retient quand même l'idée de faire sortir ce oui, scénario. Absolument. Le scénario est déjà écrit. Mm-hmm. Et maintenant, il faut passer à la réalisation. Voilà. Il faut trouver un producteur, réalisateur, des financiers, du financement, je ne sais pas comment on dit, des partenaires en tout cas. Oui, absolument. Et puis nous allons même lancer l'appel ensemble. Oui, c'est ça qu'on commence à. Ben oui, si quelqu'un grand appel. Nous entend là et que cette personne souhaiterait prendre part à ce travail-là, parce que je vous assure, c'est un vrai scénar, hein. C'est pas quelque chose d'à demi qu'il a là, c'est de l'or en barre. C'est du lourd. Oui, c'est du lourd. ce serait vraiment dommage que ça ne fasse pas son bout de chemin en fait. Hein. Et nous avons les contacts de personnes qui font du cinéma, nous les connaissons. Mmh. Mmh. Nous avons des amis de la Martinique, des amis de la Guyane, des amis qui sont au BPM et qui vivent dans l'Hexagone. Et puis, il y en a qui travaillent ici aussi.
Absolument. Il va falloir qu'on s'y mette vraiment. Donc, pour revenir à David, il fut un temps où il avait sa caméra, il partait. Hein, il allait faire ses reportages, il travaillait, il avait monté sa société de prod juste pas loin de chez nous ici. Mmh. Et puis, on l'a vu disparaître. On s'est demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas malade, il n'est pas la jolie, il n'est pas mort, qu'est-ce qui s'est passé? Et non, il est revenu avec son bébé d'Air Ambassadeur. Alors, absolument. C'est pour dire qu'on s'agit des gens qui mauvaises langues, des bébés disent « Ah, monsieur malade, ben ouais, monsieur est mort, ben ouais, machin. Mm-hmm. » Il travaillait son livre en 79 jours et il nous l'a sorti. Qui c'est qui distribue le livre aujourd'hui? Actuellement, il est vendu, enfin, il est proposé à Librairie Générale. D'accord. À Jarry. Et la Librairie Générale a aussi deux titres. Stop, on ne dit plus. On ne dit plus, sinon je lui apporte la facture. Dans toutes les librairies de Guadeloupe, en tout cas. Ah, ou bien. Alors les deux principales. Et au Moule aussi, il était très bien représenté. D'accord. Mmh. Bon, Guadeloupe, Pointe-à-Pitre et Moule. Mais sinon, si nous parlez encore à Bonfactile, là, tout de suite. Donc, David Dardol, pour continuer, c'est un homme père de famille, c'est une personne très, très riche en contact, hein, c'est quelqu'un qu'on arrive à aimer facilement. Et il nous a apporté aussi avec lui un DVD sur lequel il a coché les 7 rythmes. On ne peut pas montrer malheureusement les 7 rythmes du gros cas. Alors, je vais l'ouvrir pour voir un peu. Qu'est-ce que vous avez écrit à l'intérieur? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on peut parler de quelque chose en particulier? Je vois déjà qu'on parle de Napoléon, un monsieur qu'on appelait Napoléon Magloire. Mmh. Et il a sorti son DVD que vous allez pouvoir certainement acheter également en même temps que le livre. Hein. Absolument. Alors, si on fait un package livre et DVD, ça fait un prix. Oui. Hein, ça fait un tarif préférentiel. Absolument. Voilà. Absolument. Alors, pour ce livre, merci d'aller chercher ce livre dans les librairies qu'il a cité, mais que je ne reciterai pas, n'est-ce pas? Allez chercher ce livre, ou sinon, donnez-moi le numéro de téléphone où ils peuvent appeler. Ou alors l'adresse Facebook où ils peuvent aller voir les informations pour rentrer en contact. Parce que là, nous dit ça. Il faut nous rentrer en contact. Absolument. Oui, j'ai un numéro. Le numéro de Régis, je pense. Très facile. Le 31-13-13, c'est un portable. Et il n'a pas changé, il est vieux ce numéro. Il est très, très, très vieux. Oh là là, et en plus, il est fidèle. Il est fidèle en amitié, ça fait des années qu'on se connaît. Il est fidèle avec son numéro de téléphone qui n'a jamais bougé. Ça veut dire qu'il a toujours payé ses factures. Hein, par contre, certaines personnes qui ne payent pas, ils le coupent et puis ils disent « Ah oui, oui, donne-moi le même numéro, s'il te plaît. » Donc voilà, et nous avons Régis. Régis, on va s'intéresser à toi quand même. Qu'est-ce que tu fais? Tu es sportif? Tu vas à l'école? Tu fais quoi? Tu es marié? Tu as des enfants? Alors, ici présent, je suis l'accompagnateur de ce cher auteur S. David. Mm-hmm. Et avant tout, je suis son fils. D'accord. Donc, de toute façon, pas obligé de dire moi ça, on voit tout de suite. Radio, télémasse, on dit ouais. Donc, alors comme activité que j'exerce, je suis lycéen. Mm-hmm. Et je suis très actif sur les réseaux sociaux. J'ai un compte TikTok, Instagram, YouTube, mm-hmm. où je fais des vidéos et des lives. Oh, alors c'est quoi le compte, c'est quoi l'identifiant, je ne sais pas comment on te trouve. Alors, mon nom sur la plupart des réseaux sociaux, c'est Régis Smile, sourire en anglais. Ouais. Donc ça s'écrit R-E-G-I-S-M-I-L-E. D'accord, Régis sur TikTok. Sur TikTok, YouTube et Instagram. On va te trouver, dès que vous mettez Régis Smiler. Smile, oui. Ah, le klaxon qui chante. Là, c'est anglais. Anglais, et là, c'est allemand. Allemand, et moi, c'est tout poquito. Non, abra espagnol. Ah, oui, amor. Alors, j'embrasse toute cette communauté que j'apprécie énormément, cette communauté hispanique de Saint-Domingue et puis aussi Haïti. Je vais parler Haïti, tout, oui. Ah, ma bilingue, trilingue. Donc, nous avons. Comment on vous appelle quand vous êtes comme ça sur les réseaux sociaux? Régis Smile. Non, pas le nom. Ah. Vous avez, il y a une profession, c'est-à-dire on dit qu'ils sont... Influenceurs. Voilà, c'est un influenceur sur les réseaux sociaux. Mmh. Regardez bien son visage et il va encore dire son nom pour vous. Allez, à cette caméra, vas-y. Régis Smile. Voilà. Et là, où que vous êtes... Nous qui machin, nous pouvons connaître vos chemins là, ok, voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à dire rapidement, parce que alors on y est, pour conclure. Oui, rapidement. Enfin, ce sera au niveau du DVD qui est multifonction. Il est ludique, mm-hmm.
il est interactif et aussi pédagogique. Pédagogique. Et de là, vous allez pouvoir tout trouver sur les questions que vous vous posez. Quelle est la différence de son entre un Kalaja, un Mende, un Tumblak, un Patchimbel? Et interactivité, c'est-à-dire que vous avez un bouton, vous appuyez et vous, c'est à la carte. Wow. Et si vous voulez écouter tous les morceaux, donc vous avez aussi un bouton où vous pouvez écouter et les films et le film se déroule d'un après l'autre. Progressivement, c'est progressivement. Un gros travail de réflexion perfectionniste. Et hein, tout est là. Tout est là. Alors tout le DVD s'appelle Napo, l'Empereur et le Tambour. C'est le DVD de Gouka. Maintenant, on va y aller. Sincèrement, je vous aime. Hein. Pensez à ça, mesdames et messieurs qui nous écoutez. Merci à nos invités. Merci. Je vous embrasse. Merci. C'était beaucoup. Raphaël Ella. Merci beaucoup. Ça a été un peu...